Ah oui, non, mais bien sûr, madame. Et ne bourrez pas trop la machine, par contre. Parce que sinon, je vais devoir lui faire souffler dans le ballon. Non, non, mais effectivement, vous avez raison, ça devrait être noté, mais simplement, quand c'est trop plein, l'eau circule mal et le rinçage n'est absolument pas efficace, donc allez-y mollo, et vous verrez, d'accord? Ouais, c'est ça, vous aurez de mes nouvelles. Au revoir, monsieur Fermier. Fermel. Bah, bonne soirée, Étienne. Bah, salut les gars! Bonsoir, Étienne à l'appareil, que puis-je faire pour vous? Allô? Allô? Oui, bonsoir. Je vous appelle parce que j'ai un problème avec ma machine à laver et je ne sais pas comment l'arrêter. Eh bien écoutez monsieur, ça tombe bien. Je suis là pour faire en sorte que tout tourne dans le sens du lavage. Alors que se passe-t-il exactement? Bah alors j'ai lancé la machine avant-hier et depuis elle s'arrête plus. Bah, je sais pas trop ce qui se passe là. Attendez monsieur, je vous arrête, hein. Mais si vous avez lancé la machine, c'est normal qu'elle soit cassée. Non, je vais plaisanter, hein. Vous me dites qu'elle tourne non-stop depuis 2 jours, c'est ça? Oui, voilà, elle tourne non-stop depuis 48 heures. Et ça m'embête parce que j'ai mis une belle chemise Lacoste à l'intérieur et... Elle doit être foutue maintenant. Puis surtout, ça fait quand même vachement de bruit vos machines parce que ma voisine a déjà sonné 2 fois pour les vibrations contre le sol. D'accord. Après, pour les vibrations, enfin, vous savez, monsieur, c'est normal, hein, c'est une machine à laver. Ou alors, je sais pas, il faudrait qu'il y ait un tremblement de terre et que ça se synchronise avec la machine. Ouais, écoutez, je suis pas vraiment d'humeur là. Et j'aimerais bien juste résoudre rapidement ce problème parce que je crois pas que ça soit normal. Si ça continue, c'est tout le quartier qui va venir toquer à ma porte. Et vraiment, je crois pas que ce soit une très bonne idée du tout. Oui, bien sûr, excusez-moi. Alors, je vais vous demander le numéro de série de la machine, s'il vous plaît. D'accord, mais par contre, où est-ce que c'est parce que. Alors, retirez le compartiment lessive et vous allez trouver un numéro à 11 chiffres, commençant par 02 et se finissant par 18. Alors, 02, 506, 680, 01 et 18. Alors, ça doit être une grille anthracite, celle-là, je pense, modèle la 3000. Petite question, avez-vous pensé à la débrancher? Parce que c'est vrai que parfois on a un problème énorme et sans s'en rendre compte, débrancher la, quoi la machine. Ah, oui, bien sûr, je l'ai fait au bout de 2 heures. C'est ma voisine qui me l'a demandé d'ailleurs. Quelle toupée celle-là. Bref, et ça a rien changé, c'est toujours le bordel. Attendez, vous me dites que vous l'avez débranchée mais qu'elle fonctionne quand même? Ah, bah voilà, enfin. Non, bah attends, ça fait 5 minutes que je vous explique et vous comprenez que maintenant là? C'est un canular, c'est ça? Bon, écoute, Étienne, j'ai pas du tout envie de rigoler moi ce soir. Donc tu remballes tes blagues de merde et tu me trouves une solution. Eh, écoutez, je sais pas qui vous êtes, mais vous me parlez pas comme ça. Hein. J'ai 10 ans d'expérience dans cette entreprise, et il n'y a pas une question sur les machines à laquelle je n'aurai pas de réponse. Donc essayons calmement de reprendre les choses une par une. Mais oui, d'accord. Écoute, je suis pas en train d'essayer de remettre en question ta place chez Electro-H. Je te dis juste que là, c'est le moment de me trouver une solution. Bon, je vais vous demander d'atteindre l'arrivée d'eau, normalement située à l'arrière de la machine. D'accord. Est-ce qu'il se passait quelque chose au niveau de la machine? Oula.
J'ai l'impression qu'elle tourne dans l'autre sens. Et puis ça fait toujours autant de bruit. Hein. Attendez, c'est impossible. Attends, c'est quoi cette devinette là déjà? Tiens, ça me fait penser à une devinette. Regarde à travers mon hublot, la tempête est à l'intérieur, dehors il fait beau et je ne suis pas un bateau. Qui suis-je? Je sais pas, une machine à laver, je dirais. Ah ouais, pas mal, ouais. Enfin bon, il y a une autre réponse possible. Non, écoutez, je suis pas sûr que ce soit très utile pour résoudre le problème. Hein. Oh, alors, c'est que vous bon, pouvez ça va. Le... Hein, monsieur Étienne Ferrel. Avec ta petite chemise à 10 balles hein, et ta crade de merde. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Allô? Ah, bah voilà, Étienne. J'ai cru que j'arriverais jamais à te rappeler. C'est juste que je capte tellement mal ici. Bref, j'ai pas fini ma petite histoire sur la voisine. Non, mais qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans, votre voisine? Eh, doucement. Est-ce qu'on pourrait régler votre problème de l'avalanche avant? Bah, justement, c'est... Non, mais parce que, attendez, vous me dites que vous l'avez débranchée et qu'elle fonctionne quand même, et que vous avez coupé l'arrivée d'eau et qu'elle tombe dans l'autre sens. Enfin, juste réfléchissez 2 secondes, c'est impossible. Attends, qui c'est qui tombe? Votre machine. Ah, oui. À vrai dire, j'appelle surtout pour la voisine parce qu'elle a quand même sonné 2 fois. Bon, ok. On peut essayer de résoudre les problèmes de vibration pour votre voisine, si vous voulez. Est-ce que vous avez des torchons ou des serviettes chez vous? Allô? Bah attends, je cherche un torchon, là. Avec sa voix cassante, là. Son petit air supérieur et toujours avec ses grandes phrases. Tu vois de qui je parle? Mais si, tu sais, une petite rousse avec les cheveux bouclés et elle a toujours un tailleur de merde à 20 balles. Enfin bon, elle a quand même sourire. De quoi vous parlez? On peut essayer de rester concentré sur le problème, s'il vous plaît? Non, restons sur Juliette. Hein, Juliette, elle s'appelait. Je te jure, la trentaine, là, à peine. Et elle rentre tous les soirs à 20h pour percher avec sa polémique sur le respect du voisinage. Enfin, je sais pas, peut-être que toi, ça te fait bander, hein. Bon, écoutez, je crois qu'on va devoir accrocher. Je suis pas sûr qu'on ait la même vision. Je la vois. Je la vois qui tombe dans tous les sens, là. Pardon, j'entends pas très bien. Non, je te disais juste que je la vois qui tombe dans tous les sens, là. Votre machine? Est-ce que vous avez pensé à couper l'alimentation générale de votre appartement? Mais c'est exactement ce qu'elle m'a dit, Étienne. Elle m'a dit, oui, il faudrait peut-être penser à couper l'alimentation générale de votre appartement. Elle voulait rentrer dans mon appartement et elle voulait couper le courant. Mais bon, peut-être que maintenant tu veux connaître le reste de l'histoire. Bon, écoutez, je crois pas que je vais pouvoir vous aider finalement, monsieur. Je vais devoir raccrocher, je vous remercie de votre compréhension. Attends. Écoute. T'entends là? Parce que tu sais combien de temps ça prend pour entrer quelqu'un dans un lave-linge? Hein? Désarticuler sa colonne vertébrale? Rendre ses lames toutes molles, casser le fémur? Un vrai pantin! Elle me regarde en ce moment même là. Étienne, t'es là? Étienne! Étienne! Vous êtes un malade. Un malade? Non mais attends, Étienne, entre nous, tu comprends quand même? Tout le monde est malade face à une connasse pareille! Parce que d'abord, je l'ai invité à rentrer, cette petite pute. Elle a sonné une deuxième fois, alors que j'avais clairement fait comprendre que c'était pas de ma faute si la machine s'arrêtait pas. Mais qu'est-ce que tu me veux, putain? Pourquoi c'est moi que t'appelles? Pourquoi? Mais parce que c'est toi qui peux m'aider. Tu m'as dit que t'avais 10 ans d'expérience et pas une seule question sur les machines à laquelle t'avais pas de réponse. Non, moi j'ai 10 ans d'expérience dans les machines à laver.
Non, je résous des problèmes de la flange, voilà ce que je fais. Je résous pas des lunettes de balle encore mon démerde. Non, ça c'est ce que tu crois. Parce que tu sais, Etienne, au départ, le problème il vient de la machine. C'est un problème de machine. Je veux juste qu'elle s'arrête. Alors s'il te plaît, tu fais ton boulot et tu me trouves une putain de solution. Mais combien te le vends de quoi? T'as tué cette bouffe et tu voudrais que je t'aide? Elle t'a rien fait. Elle t'a parlé gentiment. Elle était gentille, elle était bien habillée et toi tu l'as quittée. Oh, merde, enculé. C'est toi qui pourrais te broyer dans une putain de machine.